Eh ouais, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Bonne année à tous. Yo la gens, c'est Amazon54. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo compte rendu de vide-grenier. Aujourd'hui, j'ai pu faire un petit vide-grenier sympa. Et comme on dit, le meilleur appartient à ceux qui font du tôt. Et du coup, aujourd'hui, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé une Super Nintendo. Tant que j'en cherchais une, hein. Elle est en bon état. Je sais pas si vous voyez bien. À la cam. Elle est un petit peu jaunie ici, mais ça, c'est sur toutes les Super Nintendo, hein, le jaunie, parce que le plastique est différent ici qu'ici. Et pareil, en dessous, le plastique, c'est pas le même, il est un petit peu jaunie, là. Pareil, ici, c'est un petit peu jaunie, mais ça part le jaunissement au soleil, normalement. Et, du coup, j'ai pu la trouver avec un jeu, Super Tennis, et une manette... malheureusement non officiel, c'est pas dans l'état. Malheureusement non officiel, mais en bon état. Ouais, elle est pas mal, ça va, là, bon touché. Ouais, ça va. Et bien sûr, avec tous les câbles. Du coup, j'ai trouvé cette Super Nintendo au prix de 60 euros tout de même, mais ça va. Pour son état, elle est en superbe état. Mais ça va. À la base, la personne la faisait en 65. J'ai négocié à 60 euros. Si je pense qu'il y avait moins cher, vous pouvez trouver. Mais parce que pour comme ça, c'est un tarif normal et même bien. Voilà. Moi, je ne suis pas expert en rétro gaming non plus. Je suis collectionneur et j'aime bien ça. Je ne connais pas forcément la cote au centime près non plus. Donc, voilà. Du coup les gens, sans pas plus de temps, on va passer au petit test de cette console. Je vous dis à tout de suite, j'installe la Super Nintendo. Re les gens, du coup on est sur Super Tennis. Et tout à l'heure j'ai fait des calculs et j'en ai eu pour plus que quand j'avais trouvé les trois consoles en vide-grenier. Hein. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la vidéo, celle-là je la capte tout le temps dans chaque vidéo. D'ailleurs je sais que vous avez explosé le compteur de vues. Je sais plus combien j'avais fait vues, j'ai mon téléphone sous la main, je regarde. Cette petite ligne. Ouais, du coup, 164 vues elle avait fait. C'est parti. Ok. On va pouvoir jouer. Super Tennis 1930. Faut savoir que je suis. Je vais de base. Mais c'est computer. Je prends qui attention. Ça va être Nancy. J'ai fait au pif, j'ai fermé les yeux. Ah, je peux encore. Moi qui ai un. Oh, Steve! Ah, c'est. On choisit contre qui? En 1-7, parce que je suis éclaté, je vais tester le jeu rapidement. Ah, faut sélectionner le terrain. Bah, Clyde. Hey. Oui, ça fait très Stranger Things. Yes. Moi, je vous explique, le dernier sur Switch, je l'avais testé. Je suis nul. Hein. Bah, au tennis. Ah, mais c'est impossible. Mettre A. Ah, bah si, là, pour. Pourquoi je frappe trop tôt? Ouais, j'ai réussi à faire un échange, je crois. Nintendo, c'est pas Nintendo. Out. C'est quoi, out? On voit quelqu'un qui joue bien au tennis. Les jeux de tennis, ils ont bien changé, je crois. Quoi, il y a des gâchettes là dans le jeu. Trop fort! Trop de talent! Je vais me mettre au tennis. Oh non!
Je sais, c'est une bonne idée de le mettre dans la vraie vie au tennis. Ah, t'es nul! T'as fait full! Très bien, ils sont pas pour lui. Mais c'est quoi, faute? Ah oui, j'ai un point, c'est bon. Mais fait... Ah, quand tu fais double faute. Ah non, c'est abusé. Allez. Ouh. Yes. J'ai gagné. Ouais, ah non, Steve, toujours deux. Wow. Je continue à jouer, moi je m'en fiche. Double fausse. Mais c'est quoi là? C'est quoi faute? Je comprends pas ce que c'est. Il est très long ce gameplay. Est-ce que le bouton reset marche? Je vais pas tester. Il marche. Oh, je n'ai pas vu la trop du coup. Elle est magnifique pourtant. Hein. On est la balle. Ouais, non, ça sert pas à grand chose. Je vais vous mettre cette chose. Attention. C'est tellement de bonheur. J'ai jeté la cartouche. Bon les gens, on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai tout enlevé. Bon les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, partager, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. C'était M64 et ciao.